Kerorokum Vanakam. Chers fidèles téléspectateurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce dimanche matin pour votre nouvelle émission Padel. En Inde, les Indiens qui sont très dépendants de l'agriculture vénèrent notre déesse Mariamman, déesse de la pluie pour la fertilité de leurs terres. À La Réunion, en ce mois de mai, les festivités en l'honneur de la déesse ont lieu dans les quatre coins de l'île. C'est donc sur notre mère divine Mariamman que je vous propose de redécouvrir à travers cette émission aujourd'hui. Tout de suite, regardons ensemble la pensée spirituelle du jour. Les jouissances nées du contact des choses sont des causes de chagrin. Elles ont un commencement et une fin. C'est pourquoi le sage, l'homme d'entendement éveillé, ne place pas en elle ses délices. Sri Aurobindo. Après cette belle pensée spirituelle, écoutons ensemble un chant dévotionnel intitulé « Devi Karmariyama ». Mariamman, déesse de la pluie et de la fertilité, elle est celle qui nous guérit de maladies. Le Kandi Mariamman, une pratique très répandue sur notre île qui consiste à réciter le Mariamman Talatu et à bénir le Kandi, le Panakam et aussi d'autres confiseries pour implorer sa grâce et sa bienveillance. Alors, je vous laisse le soin de visionner ce beau reportage préparé par l'équipe de Vanakam Réunion.
Dans l'hindouisme védique, le culte de Mariamman a pris racine dans tout le Tamil Nadu. En tant que Grama Devata, déesse du village, ou Kaval Devam, divinité protectrice. Mais les Tamouls ne sont pas les seuls à adorer la déesse mère. Le culte de Sitala dans le nord de l'Inde et le culte de Maïsama au Karnataka, au Maharashtra et au Telangana s'identifient à une seule et même divinité. Mariamman ou Mariamma est considérée comme une déesse prévédique liée à la pluie. Le mot Mari signifie pluie en tamoul et le mot Amma signifie mère. La déesse Mariamman est donc celle qui apporte la fertilité au sol, celle qui permet donc au peuple de se nourrir. Afin que les récoltes soient toujours meilleures, les villageois lui adressent leurs prières et lui dédient un culte particulier. Mariamman est aussi connue sous le nom de Muttu Mariamman dans certains endroits, car les gouttelettes d'eau qui ressemblent à des perles, c'est ce qui expliquerait également son nom. Muttu signifie perle en tamoul. En Inde, la période mai-juin coïncide avec Agni Nakshatram. Elle marque le début de la saison estivale. Durant cette période assez chaude, les agriculteurs du sud de l'Inde vénèrent la déesse Mariamman en tant que déesse mère de la pluie et de la fertilité dans le but d'obtenir les bienfaits de la déesse. Cette croyance remonte à la nuit des temps, où les villageois s'inquiétaient toujours pour leur récolte car c'était leur principal revenu. L'abondance de la pluie ou la sécheresse, l'une ou l'autre, pouvait ruiner la récolte et affamer le village. Par conséquent, ce dont ils avaient le plus besoin était un régulateur de pluie. Mariamman symbolisait cette tempérance, ce régulateur de temps et bien plus encore. Elle représente la déesse mère de la pluie. Dans de nombreux sanctuaires ayant Mariamman comme divinité principale, des festivités animent cette période de mai-juin. Les villageois continuent de vénérer la déesse pour obtenir ses bienfaits et d'être assurés d'une bonne récolte. Déesse de la fertilité pour les villageois agricoles, Mariamman est devenue aussi déesse de la fertilité humaine. En effet, de nombreuses jeunes filles villageoises prient la déesse dans le but d'être bénie d'une vie féconde. Les femmes enceintes offrent des bracelets en verre à Mariamman en guise de prière pour un accouchement en toute sécurité. Cette coutume est encore présente dans nos traditions de tous les jours, plus communément connue sous le nom de Valaikapu. Parmi les nombreux temples dédiés à la déesse Mariamman, le temple de Sri Shankajaniaman Koil, situé dans la ville de Pondichéry, et plus précisément dans le village de Virampattinam. Il est connu pour être un temple plus ancien et le plus puissant de Pondichéry. L'âge du temple n'est pas connu depuis des siècles et pourrait facilement avoir environ 1000 ans. La légende raconte qu'autrefois, dans cet ancien village, il vivait un homme du nom de Viraragavan. Un beau matin, il partit pêcher dans un ruisseau voisin. Il n'avait pas eu de prise avant le coucher du soleil et était totalement déçu. Toutefois, il n'avait pas abandonné. Il avait fait une dernière tentative avant de rentrer chez lui. Lorsqu'il retirait le filet, il était très heureux car il sentait un lourd résistant et qui, généralement, dû à une grosse prise. Mais il était finalement déçu, car il n'y avait pas de poisson à la place. C'était un gros morceau de bois. Il l'a ramené à la maison et l'a gardé dans la cour. Un jour, sa femme ne trouvait pas de bois de chauffage pour cuisiner et décida de couper le bois pour le rendre utile. Quand elle frappa le bois avec une hache, elle en fut toute bouleversée, car du sang coulait de la coupure de la hache. Elle informa immédiatement son mari et les villageois. Étonné, Viraragavan
avait gardé le bois à l'intérieur de sa maison et avait ainsi commencé à faire des pujas. Il était très heureux et sa vie est devenue prospère. Quelques jours plus tard, la déesse Amman est apparue dans le rêve de Viraragavan et lui dit « Vous aviez reçu le bois grâce à mes bénédictions. » Elle lui demanda ensuite d'utiliser ce bois comme pidan, comme base, afin d'installer son idole sur cette base avec ce bois à un endroit précis du village. Elle lui demanda de travailler l'idole comme Sankajaniyaman avant de disparaître dans son rêve. Viraragavan alla faire part de son rêve à tous les villageois. Tous les villageois se mirent à la recherche de ce lieu indiqué par Amman. Ils ont trouvé une fourmilière d'où un serpent, un cobra, est sorti et a cogné le sol 3 fois avec sa tête, leur indiquant ainsi l'endroit où ils devaient positionner cette idole. Le bois a été ainsi apporté pour être fixé et faire office de pidam. Ils ont ensuite taillé une idole de granit à l'effigie de Sankajaniyaman. Le temple s'est progressivement développé étape par étape, passant d'une petite hutte à un immense temple au fil des siècles. C'est le premier temple de la province de Pondichéry à avoir un immense char. Selon les écritures, le nom de Sankajaniyaman signifie qu'elle est la sœur de Vishnu au visage rouge. Pendant 6 vendredis continus à partir du mois Tamoul de Adi, a lieu la plus grande festivité du temple. Une importance particulière est accordée au 5e vendredi et est déclarée jour férié par le gouvernement de Pondichéry. En ce jour, des milliers de pèlerins se pressent dans ce lieu saint pour tirer le char du temple et célébrer donc ce festival. Le dernier vendredi du festival coïncide avec Muttu Pallakku. Il marque la fin du festival de ces 6 semaines. Ce jour, plus de 100 000 à 200 000 personnes de différentes régions de Pondichéry du Tamil Nadu se réunissent les 5 et 6e vendredis. Les habitants du village se réunissent pour organiser et célébrer le festival avec une grande joie et une grande ferveur. Autre particularité de ce magnifique temple est le célèbre Virutam en l'honneur de la déesse Sankajaniyaman, plus connue à La Réunion sous le nom de Mariamman Perul Virutam. Ce beau Virutam fait état des louanges des fervents dévots de Mariamman. Écoutons un extrait. Sundari Nirantari Digambari Parapari Sumangali Tirisulinili Jyoti Magamayi Karunakari Puradhari Turandari Karagabhali Mandira Sudadari Maheshwari Sarveshwari Varahi Vanatoni Vani Matangi Omkari Angari Singari Vallitir Bhairavi. Le Panarkam, plus communément appelé ici à La Réunion et à Maurice, Panakon. C'est un célèbre Naivedyam connu au sein de notre communauté tamoule sous le nom de l'eau sucrée. Le Panarkam est servi comme Naivedyam pour les grandes festivités en Inde telles que Navaratri, Ramanavami, Adivelli, Pournami, Kavadi. Sindai Manamagirave Viram Pattanatil Tirai Kadaliloram Varum Sengan Mal Tangaye Yengal Kula Devame Sengal Nirvari Umaye Dayana Selvini
சரஸ்வலக்ஷ்மியும் நீ, சரஸ்வதி மனோன்மணியும் நீ. ஜாதி பிடுங்கமாக வண்டவலும் நீ, தையல் நாயகி உன்னா முளையும் நீ. J'espère que ce reportage vous a plu. Tout de suite, écoutons un intermède musical. Money!
Voyons l'agenda de la semaine. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Lundi 17 mai, Shasti, Pujaipur Muruga. Vendredi 21 mai, début Mariamen Tiruvija, au Coville du Tibazar. Dimanche 23 mai, Samvatsara Abhishegam, au Coville de Saint-Denis. Dimanche 23 mai, Mariamen Tiruvija, au Coville du Tibazar. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Chers fidèles téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission ce mercredi à 13h, mais aussi sur notre chaîne YouTube, Vanakkam Réunion TV. Vous avez aussi la possibilité de nous soutenir sur le lien qui s'affiche juste en bas de votre écran. Nous tenons à remercier le président du temple Shiva Suplamanian de Saint-André, Tibazar, ainsi que son équipe de leur accueil. Avec toute l'équipe bénévole de Vanakkam Réunion, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche prochain pour une nouvelle émission. En cette période de crise sanitaire, une attention particulière est portée à notre déesse Mariamen, déesse qui nous guérit de la maladie, cette maladie qui traverse toutes les frontières. Et une petite pensée aussi pour notre terre biologique, l'Inde, qui se trouve fortement impactée par ce virus depuis quelques semaines. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Nandri Vanakkam.